Yo les gars, on dit quoi? J'arrête définitivement le trading. Si le titre de la vidéo n'est pas une erreur, ok? Alors, j'arrête définitivement le trading. C'est ce que je me suis dit il y a 2 ans de cela. Ok? 2 ans de cela. Et effectivement, j'ai arrêté le trading pour un moment. J'ai arrêté le trading pour un moment. Et durant ce moment de pause, il faut dire que j'ai pensé beaucoup, n'est-ce pas? J'ai pensé beaucoup à tout ce que je me suis promis, ok, dans le passé. Tout fait pour percer le mystère, n'est-ce pas, du trading. Ok. Alors, je savais que il arriverait un moment, n'est-ce pas, dans ce parcours-là, ok, il arriverait un moment que je vais, n'est-ce pas, je vais perdre la confiance en moi et également perdre, j'aurai, n'est-ce pas, la sensation que tout ne va pas. Rien ne va, parce que c'est ça. Donc, en un coup, je vais perdre la confiance et je vais perdre l'envie de continuer le trading. Et pour ceux qui, n'est-ce pas, ne le savent pas, ok, il y aura un moment, à un moment donné, ça vous arrivera. Ces pensées-là, n'est-ce pas, vont vous traverser la tête, l'esprit. Vous aurez, n'est-ce pas, l'envie d'abandonner le trading. Vous aurez forcément l'envie d'abandonner le trading. OK? Et voilà pourquoi, avant de commencer le trading, il faut avoir vraiment des objectifs. Et ce sont ces objectifs-là qui vont vraiment vous booster. Mais si vous ne venez pas avec des objectifs, lorsque vous allez abandonner, vous n'aurez même pas l'envie de revenir. Donc, ce sont les objectifs qui m'ont, n'est-ce pas, aidé, ok, à rebondir de ce moment, disons, entre parenthèses, de repos. Et lorsque je suis revenu, c'est comme si j'avais, n'est-ce pas, effacé toutes ces manières de trader des amateurs. Ok, j'ai reboosté mon énergie et j'ai, n'est-ce pas, fait renaître l'objectif, mon objectif premier en trading. Voyez-vous, c'est ça la différence. Donc, du coup, dans votre processus, ok, vous devez, n'est-ce pas, mettre en tête que il y aura ce moment-là. Il y aura le moment où vous allez avoir l'envie d'abandonner le trading. Ça, c'est clair. OK? Vous aurez l'envie d'abandonner du moins le trading. Et dès que vous commencez à abandonner, vous perdez, n'est-ce pas? En réalité, vous perdez tout. Vous perdez tout. OK? Vous perdez tout. Pourtant, si vous n'abandonnez pas et que vous commencez, n'est-ce pas, à vous coller à vos objectifs, le fait de, n'est-ce pas, réussir en trading en suivant vos plans et qu'est-ce que vous voulez devenir, par exemple, en 2 ans, dans 3 ans, lorsque vous suivez, n'est-ce pas, cet objectif-là, c'est clair que, arrivé à un moment donné, vous allez, n'est-ce pas, percer ce mystère du trading.
Ok? Donc, c'est un peu ça. Et moi, j'ai en un mot abandonné, n'est-ce pas, mon objectif. Voilà pourquoi je suis allé en ce qu'on appelle le burn-out. Ok? Le burn-out dans le fait de perdre trop de trades, dans le fait de ne pouvoir pas, n'est-ce pas, être profitable en trading. Donc il m'a fallu ce temps de break là. Donc j'ai décidé d'abandonner totalement le trading jusqu'à ce que je puisse, n'est-ce pas, dans un mot clair, laver mon cerveau, ok, mes pensées de tout ce qui est bad trade, de tout ce qui... Donc en un mot, je me suis, n'est-ce pas, fait renaître, ok, et me suis fixé de nouveaux objectifs pour pouvoir, n'est-ce pas, percer ce mystère de trading là. Ce n'est pas facile, je l'avoue, ce n'est pas facile, mais il faut ça souvent. Donc du coup, si vous êtes actuellement, vous n'êtes pas profitable en trading, il vous faudra prendre du repos. Il vous faudra prendre du repos. Vous êtes obligé de prendre du repos. Il le faut absolument. Il le faut absolument. Ok? Il le faut absolument. Il faut prendre du recul. Ça peut durer même un an sans même regarder un chat, rien. Ok? Et après, vous retournez, vous regardez peut-être vos livres de formation, ok? Et vous reprenez tout à zéro. Ça ne sert à rien de forcément vouloir percer dans le trading tout en restant connecté aux erreurs du passé. Ça blesse, ça détruit au fait, ça blesse énormément. Donc, il va falloir y penser. Penser au repos, penser à abandonner, si je peux le dire ainsi. Abandonner pour un temps soit peu, abandonner pour renaître. Voilà, il faut abandonner pour renaître. Et vous devez le faire, c'est important. Ok? Donc moi, du coup, après avoir, n'est-ce pas, fait ce repos pour quelques temps, je suis revenu et j'ai commencé à comprendre, ok, les erreurs que je faisais, n'est-ce pas, dans le passé. J'ai commencé à comprendre les erreurs du passé. J'ai commencé à comprendre pourquoi est-ce que je n'étais pas profitable. Ok? J'ai commencé à comprendre pourquoi je n'étais pas profitable. Voyez-vous? Et au fur et à mesure que j'ai commencé à me poser ces questions, j'ai commencé à trouver des réponses moi-même, sans l'appui de quelqu'un d'autre, sans l'appui, n'est-ce pas, des soi-disant des mentors et autres. C'est ça au fait. Il faut savoir rebondir tout seul en apprenant des erreurs pour ne pas les répéter. Ok? Donc c'est ça. Est-ce que à un moment donné dans la vie, durant mon parcours de trading, j'ai voulu abandonner? Si, je suis honnête avec vous, j'ai voulu abandonner. Donc j'ai même abandonné pour un temps. Et donc après, je suis revenu et voilà. Aujourd'hui, je ne regrette pas d'avoir abandonné pour un moment. Ok. Donc, mettez-vous en tête que dans votre parcours, ok, tout le monde n'a pas cette chance-là d'être profitable très rapidement. Ok. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Les grands traders, même avant d'être des grands traders,
ils sont passés par là, des pets, ils ont appris de leurs pets. Ils se sont forgés avec des stratégies, avec des plans. Lorsque les conditions ne sont pas réunies, n'est-ce pas, ils ne prennent pas de trade. Et pour pouvoir faire ça, pour pouvoir arriver à ce niveau-là, il faut des années, sinon des mois d'analyse de votre chart, genre de votre graphique. Et, n'est-ce pas, trouver la solution à votre problème. Donc, sur ce, les gars, cette vidéo-là, c'est juste pour vous dire qu'effectivement, j'ai abandonné le trading à un moment donné de mon processus. Et ça ne veut pas dire que vous allez abandonner définitivement. Donc, au bout du tunnel, toujours, il y a toujours de la lumière. N'abandonnez jamais le trading. Mais vous pouvez, n'est-ce pas, vous reposer un temps soit peu pour vous renaître, pour renaître au fait. OK? Donc, sur ce, la vidéo de ce jour, je la stoppe là. Et que le Tout-Puissant reste avec vous. On se prend à la prochaine. Ciao. Peace and love.